est dans le studio de Guillaume Poncelet, qui est le réalisateur de mon dernier album qui s'appelle Paradis. On est là pour faire un morceau avec Martin Costaz, qui a gagné un concours organisé par Refix. Voilà, ça y est, je suis Martin Costaz, j'ai gagné le concours Refix pour passer une journée avec Ben Mazuet en studio. C'est enfin le jour de studio, donc j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec ma chanson. Allez, c'est parti. Et toi, le marchand de sable, qu'aurais-tu décidé que sur nos lits tu allais ne plus t'arrêter? Pourquoi Martin? Parce que je trouvais qu'il y avait une douceur dans sa voix, une douceur dans son propos. Et moi, le doux, ça me parle. J'ai envie qu'on soit force de proposition pendant toute une journée. Et qu'il, lui, se mette un peu dans un mood malléable où il se dit « Allez, ok, on teste. » Ça va? Salut, bienvenue. Je suis très excité à l'idée de passer la journée ici. Ben, c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup et puis j'ai hâte, quoi. Ouais, ça va être cool. Quand il y a des concours comme ça, je me dis toujours, il y a beaucoup de gens qui ne doivent pas le faire parce qu'ils pensent qu'ils ne gagnent jamais. En vrai, ouais, super content et super surpris, ouais. Je pense que c'est cool aujourd'hui d'y aller de beaucoup de propositions, tu vois. Oui, oui. Et puis après, tu les digères, et puis certaines, tu les garderas, d'autres peut-être pas du tout, peut-être que rien de tout ça. Mais de toute façon, même si tu gardes rien, ça t'aura fait avancer déjà sur ce que tu veux pas. Et peut-être aussi, ça pourra apporter des choses quand même sur ta manière de travailler. Bravo, c'est beau. Merci. J'aime bien. La guitare en instrument principal, c'est quand même chouette. Carrément chouette. Elle serait peut-être plus mise en valeur si elle partait de temps en temps. Ouais. Pour laisser la place à un piano, par exemple. Ce que me disait mon prof d'arrangement à l'époque, c'est si tu changes quelque chose, faut pas que ce soit moins bien qu'avant, tu vois. Donc là, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose à changer, voire rien du tout, en fait. La seule possibilité qu'on a, c'est d'orchestrer différemment, mais de pas changer l'âme du morceau, parce que le morceau est très très bien. Moi, j'avais envie d'un peu rallonger le morceau, ouais. Lui mettre un troisième couplet et lui mettre un pont. J'ai déjà un peu écrit le truc. Tu sais quand il viendrait, ce pont? Bah avant le troisième couplet. Ok, j'ai du mal à imaginer du coup niveau dynamique ce que ça va donner. Mais c'est un pont chanté, hein? Ouais. Okay. Mais par contre c'est un truc un peu, peut-être un peu rageux, en tout cas qui montrait un peu en fièvre, quoi. Ok. Mec, finis à genoux. Non, mais je le chante très mal parce que je veux pas te donner trop de. D'accord. Je suis dans le refrain là. On y va? Allons-y. Allez, c'est parti. C'est vrai que déjà de voir un peu comment Ben procède avec les paroles, des choses comme ça, c'est très intéressant et je pense que ça peut m'aider moi-même pour travailler plus tard. Nous on apporte aussi une forme d'expérience parce que voilà, on a fait pas mal d'albums ensemble, on se connaît bien avec Guillaume. On a fait 3 albums ensemble, c'est quand même beaucoup. Plus des tas de chansons, donc c'est vrai que c'est aussi montrer une expérience, un savoir-faire pour que lui aussi vienne picorer dans des idées en disant « Ah tiens, ils font comme ça, c'est sympa, ah tiens, il y a tel plug de piano, j'aime bien, tu vois. » Merci beaucoup Refix pour cette super journée, pour cette super expérience. Merci Refix. Sont des bénédictions.